Bon les gars, là j'en profite, j'ai chopé un scaleux. Avec un Discovery. Alors, elles iront sur quel site les vidéos et les photos? 55. Tu suis une espèce de réglementation ou c'est fun? Thématique, t'es qui dans quoi? Alors là, c'est du DC, TPE. Je suis dit, tiens, je vais changer la déco, je vais faire pareil. Attends, Max, tu as encore l'air de marcher. Châssis. Châssis, c'est toujours. Ouais. Ah, donc t'as fait sur mesure. T'as acheté le châssis à poil et t'as équipé tranquille après. De pas trop prendre des trucs. Ah, ouais, pas exagéré. J'ai jamais déjà eu du numéro 6. Ouais. Ouais. Et voir ce qu'on peut en tirer. Ouais, mais après, ouais, parce qu'en crawler, il suffit, c'est toujours la même structure, hein, il faut pas grand chose. Et après, surtout qu'en scale, tu fais jamais rien de violent, donc c'est pas lié à la solidité extrême d'une pièce ou autre. Hein. C'est ça. Mettre pas. Eric, ça sert à rien. Non, le prochain serait sûrement un Bronco. Le Bronco Sunset, c'est mon chouchou. Ah, Hill Trail, tu veux dire? Pas le nouveau. Le style ancien, là, qu'ils ont fait. Ouais, le Bronco, ouais. En Sunset. Ouais, en pick-up, ouais. Ouais. Ah, je l'ai vu, ma commune, elle est aussi. Quand je dis, pardon. Par contre, sur le point, t'as intérêt à le rouler. 700 balles pour prendre le relais, ça en est. Ouais, ça c'est un peu le problème chez Traxxas, hein. C'est leur tarif de malade. Ouais, c'est ça, après le truc, ouais, c'est ça. C'est que tu roules, tu te fais pas chier avec l'entretien. C'est ça. Ah, si, à part les bons agacés et tout ça, mais voilà. Oui, bah, oui, mais... même, il y en a plein, tu vois, ils font rien, et puis... Un pilote, au moins, il a un peu décédé, tu vois. Mais il est temps. Il est trop chaud. Il a vu un peu trop de canettes. C'est sûr. Quand tu vois la gueule qu'il a, ouais... Il a trouvé où, les vidéos? Bah, sur la chaîne. Je vais rien dire. 33 000 abos. 33 000. C'est la plus grande chaîne francophone de voitures RC Radio Commandée, comme bon. Et qui écrit pas français. Pour expliquer la vidéo, on va mettre au moins. Mani, l'orthographe, bordel. Je parle en phonétique. Quand je te parle, tu sais pas si, ouais, si j'écris AI ou E accent grave. C'est E. Ouais, mais tu fais des vidéos en allemand. E, c'est E. I, c'est U. U, c'est U. C'est pas compliqué. Pourquoi j'écris E, AI, EST, je sais pas quoi encore. Plus la règle d'exception. Gna gna gna. Il y a qu'à faire Y, K, F, R. C'est cool avec le vieux Volvo. Après, il faut juste que je prenne encore un écran déporté. Tu vois, tu peux flotter à fond. Bah, c'est le monter comme ça que je suis parti en dévers et que j'ai fait 15 tonneaux à temps. Tu vois, s'il fait des mouvements brusques, toi, il... Jusqu'en bas, il a fait 10 mètres en... Tu peux comme suivre un objet rapide si tu as besoin et tu peux changer la vitesse des moteurs. Ah ouais, c'est un problème. Parce que là, je suis en rapide, mais là, il faudrait que je me mette en bas. En fait, il faudrait une voiture radio-commandée avec une GoPro derrière, ouais, pour filmer le 4x4 qui est devant. Une voiture sur là, ça serait bien. Tu vois, c'est comme un drone qui fait... Ouais, c'est un drone à clignoter du plastique. Ouais, je peux le relier au téléphone aussi, le gimbal. Tu vois, t'as l'écran là, et tu peux... Ce que je fais avec le téléphone, le gimbal le retire. Tu tournes à gauche, à droite, descends, monter. Putain, tu tiens juste ton téléphone. Et il prend la position de départ du téléphone quand tu enregistres. Mais comme je laisse le téléphone au poignet dans cette position-là, et après juste à bouger ma main, comme ça, et puis lui refait. Ah, il s'arrête le con quand je dis ça, tu sais. Quand on est en drone, t'as pas l'hélice. T'as pas le. Ah bah non, t'as pas le. J'ai plein de modes de
Mais je vais laisser en mode défaut. Parce que si tu te mets en mode sans moteur, t'as pas de marche arrière. Tu mets. Non, sur tous les modes que j'ai essayé, il y a un mode où j'ai du sans moteur, mais j'ai pas de marche arrière. Le Link ? Non. Parce que les... Ouais, je suis fait moins chier avec le... Oui, mais dans les 5 modes, tu vas où t'as la marche arrière. Ouais, ouais. Si tu... Il y a un mode où t'es frein auto à 100% et marche avant-arrière direct, en full crawl en fait. C'est le 5, je crois. L'idéal, franchement, c'est le mode sentier. Le mode trail, là, ça, c'est le top. Là, je suis en mode... Je suis au premier mode, j'ai pas changé. Mais en vrai, il est bien. Bah du coup t'es déjà en mode, non, non c'est le mode programmé par défaut, il a un frein lent automatique. Bah pourtant quand je suis en descente, généralement il y a une pente comme celle qui est en face, ah oui, si je le mets en haut, il freine un peu. Ouais c'est ça, mais il descend quand même. Ouais. Après là je suis quand même surpris que là on est dans le dérivé tout le temps. À part l'intérieur et la carrosserie, il n'y a rien d'autre. Et le Land Cruiser, il y a quoi en dessous? Il a qui? Gravité, il est vachement bon. T'es moins emmerdé, non? Parce que le Dumas, le Terrasse. Et en combo 1,80. Bon, après, c'est plus, ça remet une couillon. C'est pas bon. Là, je refais la piste avec le livre. Salut. Je manque un peu de temps, mais. Il est pas fait. Non, il est vachement haut. Attends, j'avais dit que le Comment ça fait alors lui, bah, j'ai pris l'origine. C'est là finalement. Alors, en fait, des routes, il n'y a pas d'enjeu de braquage. Oh, il y a plein là-bas. Ça glisse comme ça, c'est le cadement de la route. Là je prends bonne boue. Ouais bon toutes les roues qui vont frotter dedans. C'est trop lent. Ah, vas-y. Et toi tu pilotes, il faut encore te passer devant le nez. Hein? Ah mais c'est trop petit pour jeûner. Et t'as le petit mari. Il y va ou quoi lui avec son machin? Non, je te trotte. C'est là-bas, je partais moi. Ok. Il a pété comme ça, il est comme ça. Je suis désolé. Un peu de boue.
Tiens. Alors, comme fusion. Mais j'aime bien avec leur système, c'est tout simple pour la probe. Alors là, par contre, je vais prendre du temps. Ah, c'est du buisson en myrtille. Bon, je suis en arrêt. Hein? Je suis en arrêt. Je pisse sur le radar. Ça va, Tchoul? Oh, ça va. Et toi, ça va? T'as rien cassé, en fait. Hein? T'as rien cassé, en fait. Non. Et toi, non? Bah, je fais un peu moins de tour. Ça du vite. Moteur. Je n'ai pas eu le temps d'ajuster la caméra. Si Dieu, on va le prendre tout doucement, il va arriver au ralenti. Eh ben pas. Passe crème hein, quand même. Hein. C'est fou. Hein. C'est pas mon petit réglage que j'ai réussi à faire. Malgré les petits, tu vois, tu dis avec les petits pneus, il va avoir du mal et tout, il va accrocher, mais rien. Ça agrippe bien. Bon, après, du coup, avec les petits pneus, t'es vachement bas aussi. Hein. Ouais. De rien. Oh là. Ouais.
même installé la porte des étoiles. Ah ouais, ouais. Voilà. C'est mieux. T'as un radar aussi sur le pont. Merde. De toute façon, si tu veux pas... Tu vois quoi ça sert une perche quand t'es petit. Là, là, franchement, ça va. On va tenter le job. Pourquoi? Ah, ça a un coup, est-ce qu'il faut le... C'est ce qui est rigolo. Aujourd'hui tu vas y aller. Ouh. Non, lui, il a dit il arrive jamais à monter par là. Vas-y, vas-y, tranquille. Tu vois, t'es monté. C'est un British. Okay. Direction à droite. Ah, mais oui. T'as vu, je suis monté sous toi, hein. Un rugby. Il est où le motule? Il arrive, il arrive. Attends, je sais pas où la route. Il est où le bidon d'huile? Regarde, je suis devant vous, mais Trop vite, tu vas tomber, attention. Tu fais une t'as reculé un peu. Regarde où je suis. T'aurais dû prendre sur l'extérieur. Hein. Je vais passer ça par là, ça pourrait reculer. Moi je passerai pas là, c'est pas drôle. Ah non. Allez, ah, monsieur, viens, regarde. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez. Il a failli manger la caméra. C'est pas grave. T'as vu le scale, il est passé.
principal. C'est pas même endroit de vous. Y'a pas de roche dans le coin là-bas? Non, c'est bon. Non, juste pas trop être. Nickel. Par où il vient lui? Il est passé par où? Ah, t'as un tourpé là-haut. T'es sur le fil? Ouais. Je vois rien, donc c'est compliqué. Faut reculer un petit peu. Stop. Ah, j'ai un peu. Gaz. C'est bon, ah ok. J'aurais dû dire un millimètre alors. Ah mais j'aurais fait un mètre quand même hein. C'est bien pour ça que j'ai mis. Alors, ah oui, c'est vrai, la fameuse pointe. Trop facile. Mais ils ont fait quelque chose, non? Ouais, ils l'ont refait. Ils l'ont refait là, ah, oui. La fameuse pointe comme ça. C'est touché, Jean. Attends que je sois passé avec le MOX. Attends que je sois passé avec le MOX. Une fox avec les pneus pelles. Je vais refaire à la finlandaise la pompe. Mani, il vient pour nous faire du terrasse. Moi j'aime bien les formules off-road, c'est les finlandais là. Ça, c'est du sport, ça. Après, les pneus existent. C'est pas mal, celle-là. Alors, celle-là, elle est pas mal. Alors, celle-là, elle est pas mal. C'est une technique. Le crâne. Ah, putain, il a ancré sur le... Ici, c'est drôle aussi. Elle est pas mal, celle-là. Ouais. On va filmer un peu les... Je suis convoqué au trial, excuse-moi, je suis au trial. Ah oui, oui, si c'est ton créneau de trial, ouais. Non, c'est clair. Tu lui dis, s'il reste de la place, tu ouais, te recontactes toi. Bah, le tien, on dirait un chien qui a, tu sais, le ver au cul. Qui se frotte dans l'herbe. Alors, sur quoi tu roules toi? Une grosse course que tu es en train de filmer. Ouais, avec donc une carreau 2. Ouais, une carreau 36. Ouais, mais j'arrive pas à remettre laquelle c'est avec qui les éléments. Un gros coup 2021. Ah voilà, ouais. Ouais, du coup, là, il avait un look de Defender. Hein. Avec les trucs. Pneumatique. Les pneumatiques, c'est des robes vestes en 1.9 ouais. Avec des jantes alus et des mousses double densité. Ah j'allais dire, t'as modifié les mousses, ça se voit tout de suite. Et les suspensions ouais. Ont été retravaillées. Donc il est un peu plus bas. Ouais. Bon, de temps en temps, c'est un peu dur pour passer. Mais... Oui, ouais, ça dépend des endroits. Mais il le fait bien, quoi. Et il absorbe bien les dénivelés. Il rebondit pas trop, en fait. Mm-hmm. Et Pierre, qui est sur le G500, qui est un peu plus haut. Ouais. Pareil, on a tous les deux un moteur fusion, ouais. Pro, avec les réglages pour l'ABS et puis la descente. Et puis pour éviter que quand tu lâches la gâchette pour freiner, ouais. Que tu as un blocage, mais plutôt une décélération ouais. Progressive. Ce qui évite au fait ouais, de faire les stoppies. Ouais, de faire les stoppies et surtout dans une descente d'avoir le cul qui rattrape la jambe. Mais du coup, quand tu fais ce réglage-là, tu as encore du frein à la gâchette si tu veux. Oui. Voilà. Oui. Ça, oui, j'aime bien ça. L'avantage, tu vois, c'est que tu peux. Ouais, t'es pas en mode avant-arrière. Tu vois, regarde, ouais. Tu peux vraiment aller doucement avec ce moteur fusion. Bon, après, je ne le nie pas. Bon, là, je vais le faire un petit peu là-haut. Mais, tu vois. Ouais, t'as quand même encore un peu de poussée. Ouais, il y a de la poussée. Sinon, c'est trop vite, tu vois. Surtout, il y a des endroits, vraiment, si tu peux pas envoyer un peu de pour minute, quand tu pratiques, c'est une unité morose. Je vais le remettre.
Pierre, il a le TRX 4 Merco. Ouais, j'ai 500. Avec quelle roue tu? Avec un Fuso. Ah aussi, mais les pneumatiques? Les pneumatiques, c'est les pneumatiques du Bronco. Ouais, parce le que bien. Les origines Mercedes sont sur taille basse. Hein. Le problème des origines Mercedes, c'est que ça le rend encore plus haut. Ouais. Et les mousses qui sont à l'intérieur sont pas terribles. Ouais. Ok. Et donc, il a été modifié, on lui a viré les pots d'échappement à l'arrière, ouais, à l'avant, qui étaient sur les côtés, par ouais, exemple, sur les côtés, rien, et j'ai mis l'échappement à l'arrière. Donc si tu regardes à l'arrière complètement du G500, tu vas voir l'échappement, quoi. Et là, on a donc deuxième spécimen à suspension zéro. La ventouse LCG. Oui, et puis tu as viré les ressorts. Tu as couché les amortoirs arrière. Tu as changé la carreau, tu as changé le pare-choc, tu as changé les pneus. Il n'y a plus d'origine là, monsieur. Du coup, il va tranquille. Ce qui est cool, demain il y a un truc qui peut venir RCMO d'aventure. Ouais, sympa. Ouais, c'est marrant, là, c'est parce qu'il est sur Strasbourg, justement, il savait pas qu'il y avait cet événement là. Moi je lui dis écoute, tu es là aujourd'hui, mais lui comme j'ai fait des bonnes pour on les croiser là du coup, c'est dit tu vois. Il est marrant, lui. Une pierre deux coups. Ah, bon, ouais. Et comme il est à fond dans le crawler. Ouais, il a des par contre. Avec plus de... Oui c'est ça, ouais. Parce lui c'est le but, hein, il veut pas mettre des fortunes. Hein. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Ouais. Ah oui, oui, c'est sûr. Hein. Mais surtout qu'en crawler, tu vois, moi j'avais essayé, j'avais fait le crawler, le projet VPC, Véric Parchet. J'avais acheté un truc chinois à 70 balles, une carreau renforcée dessus, Elzaste, combo charbon à 17 euros, et je collais n'importe quel autre crawler. Pourtant, c'est un truc de merde. Après, la différence, c'est bien sûr la solidité et l'endurance dans le temps, mais quand t'as pas beaucoup d'argent, tu fais un peu plus gaffe au matos aussi. Ouais, c'est ça, hein. C'est pas n'importe quoi. Personne n'a dit que tu dois crawler comme Manny à faire du ricochet sur le caillou avec le poids pour retomber ton côté dessus. Non, mais c'est ce que je fais, c'est cool, ça fait mal. C'est le crawler moderne, ça fait en 3D. Ah, du coup, c'est ma faute. Ah, en plus, c'est bien, tu me sers de cobaye pour le gimbal, tu vois. C'est génial. Et là je vais encore y mettre un écran déporté, comme ça je vois, je pense que je vais regarder en bas ce que je fais. Oui, et après je peux le relier au téléphone au gimbal, ce qui fait que quand je tiens mon téléphone, si je descends ou je monte, la caméra elle fait la suite. Ah, donc moi je peux suivre si j'ai l'écran ici et le téléphone là, tu vois, tranquille. Je promène juste mon gimbal en bas et moi je te suis à la caméra. D'accord. Et du coup toi c'est plus sympa pour faire les. Tourner autour là, faire les translations, quoi, comme si j'étais un drone sans qu'il n'y a pas le bruit du drone. Putain, je regarde ton truc et je fais n'importe quoi. En fait, ça va, ça tombe sur lui-même. Oui, du coup, tu vois, t'as l'impression d'être un objet volant. Même si tu le relâches, tu vois. Garde l'assiette. Après, toi, tu changes ta mire comme tu veux. Putain, c'est impressionnant, ça. Ouais. Et t'as différents modes de. Soit sur 6 axes, soit 3 axes, ou que 2, tu vois. D'accord. Non, franchement, c'est chiadé. Du coup, t'as aucune vibration quand tu filmes. Ah, bah, t'as quel nom des vidéos que tu fais, que tu tapes. Ah non, à un moment donné, il faut arrêter. Là, c'est la première fois que je peux l'expérimenter depuis un an que je l'ai, parce que d'habitude, je roule, donc quand tu roules, tu t'amuses pas à faire ça, toi. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, je viens sans voiture. Comme ça, je suis obligé de faire quelque chose. Mais si tu veux rouler, je t'en prie. Non, non, justement, sinon j'arrête de filmer, ça, je vais faire le bourrin dans le bois. Ça, par contre, il va me gronder quand il va m'entendre ricocher dans les arbres. Il saura que c'est moi, de toute façon. Je lui dis, je vais une fois en semaine. Mais c'est sympa de la mairie, hein. Puis se laisser la. Ah, franchement. Puis le droit de rester tout, laisser tout en place, là. Ça, c'est cool. C'est, ah, c'est aussi super des gens, des riverains, tu vois, qui dégradent pas, qui font gaffe, hein. Parce qu'il y a des endroits, tu montes ça, le lendemain, tu viens, ils ont tout piqué. Ouais, c'est ça. Hein, quand vous binez la ficelle pour la vendre au marché aux puces le dimanche matin. Et... Fredo, en fait, on va l'appeler Low Rider. Lui, c'est un charbonnier. Il est charbonnier.
devant. Parce qu'ils ont marché de celles-ci circuits vers l'autre en fait. Tu sors bien, tu passes dans le 2, on prend un 4 dans le 5, dans le 6. Donc au total, il y a de quoi marcher deux heures. On va voir un peu ce qu'il y a, changer la batterie de la caméra. Ah bah c'est là, viens, on va voir.